je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera déjà le bilan du mois de juin. Donc je vous montre aujourd'hui mes plantes préférées du mois de juin, mais aussi les petites chieuses, hein, celles qui m'ont embêtée durant le mois de juin. Donc voilà, petite version début de juillet là pour vous montrer mes petites satisfactions du mois de juin et quelques petits ennuis. La plupart ce seront plutôt des choses positives, j'ai pas eu trop de dégâts, j'ai plutôt eu des choses très positives ce mois-ci. Je vais commencer par une plante plutôt banale, mais c'est celle-ci. Écoutez, c'est le fameux Pothos néon, je vais le prendre. Il est sur mon chariot de lecture. Alors il n'a pas de cache-pot parce que justement son pot est caché dans le chariot de lecture. Alors c'est une, vous allez dire, c'est une bête plante, enfin c'est une plante qu'on voit partout, etc. Écoutez, moi le Pothos néon, je l'ai depuis un moment et il était sur mon appui de fenêtre et je n'y faisais pas plus attention que ça. Je trouvais qu'il poussait pas de manière folle, enfin voilà, je faisais pas forcément attention à cette plante. Et ce mois-ci, j'ai décidé de le changer de place, de le mettre dans ce chariot de lecture avec mon Florida Ghost notamment. Et depuis qu'il est là, je le trouve extraordinaire. Je n'arrête pas de le regarder, je trouve qu'il pousse super vite. Là, il est hyper fourni, je l'aime beaucoup. Et surtout, la particularité, c'est qu'il a ici, notamment, une feuille avec une tache un peu plus foncée, quoi. C'est trop trop bien. Et je crois avoir vu une nouvelle feuille, voilà, avec une tache foncée. Donc je suis trop contente parce qu'il est du coup un peu original par rapport à d'autres. Donc je vous ferai des plans évidemment. Je suis vraiment super contente de cette plante. Je pensais pas dire ça un jour de ce bête Pothos néon, mais en fait non. Les Pothos, c'est la vie. Voilà, je le remets là. Je vais passer à un truc un peu moins chouette qui m'est arrivé ce mois-ci. Ben, on perd toujours un peu des plantes. Je crois que chaque mois, il y aura sans doute au moins une plante. Enfin, j'espère pas chaque mois, mais bon, voilà, c'est comme ça. Une plante qui va disparaître. Je l'ai laissée en eau pour pouvoir vous la montrer, mais en fait, juste après cette vidéo, je vais la virer tout simplement. Il s'agit de mon Calathea orbifolia. Alors, c'est ma deuxième version de ce Calathea. Ici, c'était un bébé que j'avais acheté sur Online Baby Plant il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus. Écoutez, c'est une plante qui a souffert, je sais pas exactement ce qu'elle a eu, mais je pense que elle n'a pas aimé le fait que je l'ai changé plusieurs fois de place. Et donc elle s'est retrouvée face à des éclairages très différents. Je l'ai changé une fois pour qu'elle ait plus d'humidité, puis je l'ai mise un peu plus loin. Et puis tout d'un coup je l'ai rechangé, je sais plus où je l'ai mise, ah oui, encore plus loin avec la lumière horticole. Et du coup je pense qu'elle n'a pas apprécié ça. Et puis je pense effectivement qu'il doit y avoir eu quelque chose au niveau de l'arrosage. Je pense qu'elle a eu très très soif et puis tout d'un coup, bah tout d'un coup trop d'eau à la fois. Et ce qu'elle n'a pas aimé, et donc je vais, je pense, devoir la virer. Est-ce que j'ai envie de me casser la tête pour cette petite plante, petite crotte? Si c'était une immense plante, peut-être que je ferais plus, mais là, est-ce que j'ai vraiment envie? Je pense pas que son bulbe soit complètement, son petit bulbe soit complètement pourri. Je vais voir un peu ce que je peux faire, voilà, je décide là en vidéo, mais en fait, je vais voir si j'ai le courage et la force d'essayer de le sauver. Sinon, dans une des dernières vidéos, je vous avais parlé de la plante mystère. Je pense que c'est dans un vlog. Je vous avais parlé d'une plante que j'avais mise dans mon hôpital de plantes et je ne savais plus ce que c'était, puis j'ai commencé à la voir pousser. Et en fait, figurez-vous que je ne sais toujours pas ce que c'est, et pourtant, elle a commencé à bien pousser là. En fait, je ne sais toujours pas ce que c'est parce que je ne me souviens pas avoir acheté cette plante. J'ai l'impression que ça ressemble à l'épipremnum pinnatum, il me semble, ou je sais pas trop en fait, je n'arrive toujours pas à savoir ce que c'est parce que je n'ai jamais acheté cette plante, moi je comprends pas, je comprends pas. Ou alors j'ai fait un oubli, j'ai oublié que je l'ai acheté, mais je vous avoue, est-ce que c'est le pinnatum, est-ce que c'est le... À un moment je me suis dit, ah, c'est peut-être un carsténianum, parce que j'ai eu un carsténianum, mais ses feuilles ne sont pas du tout carsténianum, elles sont pas du tout gaufrées. On est sur des feuilles qui ressemblent très très fort à un Pothos notamment, mais un peu plus allongées. Donc je pense, éventuellement l'épipremnum pinnatum, mais alors là, je n'ai pas acheté cette plante, moi. Donc je ne sais pas, je vais voir si elle sort un jour des variegations, c'est pas du tout le cas pour le moment, mais ça c'est vraiment la magie pour le moment, c'est de voir pousser cette plante et de me dire, mais j'ai jamais acheté cette plante en fait. Je sais pas comment ça se fait que j'ai ça chez moi, qui est en train de pousser, c'est trop bien, mais est-ce que vraiment, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est très frais, enfin ouais, c'est très particulier. Donc je vais attendre qu'elle grandisse bien. Peut-être que je vais la mettre en tuteur pour que ses feuilles grandissent un peu et que je vois un petit peu ce que c'est.
Voilà, surprise, hein, la plante mystère. Peut-être que vous savez ce que c'est. Est-ce que c'est le pinatum? Je ne sais pas. Ensuite, pour revenir à quelque chose qui va pas de ouf, je crois que je vous en avais parlé déjà ce mois-ci dans une des vidéos. C'est mon fameux ma Maranta. Alors, ça m'embête parce que c'est une Maranta que j'ai depuis super longtemps. Enfin, longtemps, non pas tant que ça, mais c'est une Maranta que j'affectionne particulièrement. Et je suis en train de la maltraiter. Et là, elle m'a refait une attaque de thrips. Je l'ai traitée déjà deux fois depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. Là, je n'ai pas l'impression de voir des thrips, donc je suis plutôt contente. Mais voilà, elle a souffert quoi. Et ce qui m'embête toujours, c'est cette fameuse tige. Je vous en avais parlé, je pense, dans la vidéo le mois passé. Qu'elle a cette fameuse longue tige, donc je sais pas trop ce que je vais en faire, si je vais la remettre en tuteur. J'ai essayé de la renflouer, hein. J'ai un peu bouturé, donc là je vais essayer d'encore la renflouer pour qu'elle ressemble un peu à quelque chose. Mais je me demande si je vais pas tout couper et refaire raciner pour refaire une plante un peu normale plutôt que cette énorme tige. Mais c'est vrai qu'elle a bien souffert ce mois-ci à cause des thrips. Bon, elle a été traitée deux fois, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux, mais j'ai dû l'isoler. Du coup, elle est dans la chambre. Je vous en ai déjà parlé, hein, les plantes qui sont dans la chambre ne sont pas toujours très contentes d'être dans cette chambre. Et donc, bah, il y a un grand vide à l'endroit où elle était. Je suis un peu triste. J'ai envie de... Du coup, je me demande laquelle je vais mettre à sa place. Mais voilà, ça c'est pour ma petite Maranta. J'ai un peu mal au cœur pour elle parce qu'elle ressemble un peu à rien. En fait, je pense sincèrement que je vais. Je crois que je vais faire ça juste après la vidéo. Je vais la couper et. Je crois que je vais la couper à un nœud, peut-être à deux nœuds, comme ça je la mets en eau et peut-être que ça va raciner à un de deux nœuds. Et si ça racine pas, tant pis, parce que franchement j'ai fait beaucoup sur cette plante et tant pis, enfin, j'aurais quand même fait beaucoup. Le mois passé, je vous disais que mes caladiums cette année c'était un peu nul. Eh bien, ils ont tous poussé, alors vous allez me dire, mais c'est minuscule. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé. Effectivement, ils ont un peu triste mine. Parce que bah voilà, j'ai séparé les bulbes. Donc il y avait un énorme bulbe et je l'ai un petit peu coupé pour qu'il y ait un petit peu plus de chances que ça pousse. Et du coup forcément j'ai plusieurs pots avec le même caladium dedans. Vous voyez, donc là on a une super chouette feuille. Mais c'est aussi pour que les bulbes aient un peu plus de place. Je sais que c'est pas forcément recommandé de découper ces bulbes, mais je voulais qu'il y ait plus de chance si jamais il y avait une pourriture du bulbe. J'ai plutôt préféré le séparer et c'est plutôt bien parti. Je trouve cette feuille très très belle. Donc là, c'est vraiment chouette. Bon, il n'a pas une allure de folie, mais il a poussé quoi. C'est vraiment chouette. Et il y en a un autre encore qui va pousser ici. Je crois que c'est une autre variété. Ici, c'est le. Je l'ai appelé Alfred parce que c'est le Red Flash. Le mois passé, je vous parlais aussi des alocasias. Je vous disais que ça revenait et je suis toujours aussi satisfaite, particulièrement pour mon Friday qui a ressorti enfin une nouvelle feuille. C'est vrai que j'attendais ça depuis longtemps. Il a mis un temps fou avant de renaître et en fait là, il refait une feuille, donc je suis super contente. Donc je vais le laisser évidemment à l'emplacement où il était. Donc pas trop le bouger parce qu'il n'aime pas trop ça, mais vraiment c'est une plante que j'aime énormément. Et je suis super contente de l'avoir repoussée. Petite satisfaction hein, pour ces alocasias. Et toujours pour les alocasias, eh bien celui-là c'est une espèce de monstre. Hein. Il est en train de grandir, de grandir, de grandir. C'est mon Zebrina. Voilà, il y a deux tiges et il y en a une troisième qui est en train de se faire. Donc je suis vraiment super contente. Bon, vous allez me dire c'est pas très varié par rapport au mois passé, mais au moins vous voyez la plante évoluer. Et j'en suis vraiment super contente. Là, elle grandit, elle grandit, elle grandit. C'est trop trop chouette. Donc satisfaction. En fait, j'ai que des satisfactions, mais c'est normal. En même temps, on arrive en été. Enfin voilà, on est en été, Isabelle, on n'a pas vu passer le temps. On est en été, donc forcément les plantes elles poussent plus vite et c'est hyper satisfaisant. Ensuite, j'ai fait une petite expérience ce mois-ci. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que moi je me cassais pas tellement la tête avec les terreaux, etc. Mais quand une plante a un problème et quand il faut absolument la sauver pour l'une ou l'autre raison, là, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans tout ce qui est terreau. Et notamment, j'ai souvent entendu parler de l'astuce de Sauvane, je pense, de Jungle Eden, qui disait de mélanger de la perlite avec de la vermiculite. Ça a été très recommandé par mon amie Annabelle qui le fait avec ses alocasias. Et c'est vrai que j'avais plusieurs boutures qui étaient en eau depuis un moment et qui ne prenaient pas. Les racines poussaient super lentement, il n'y avait pas de nouvelles feuilles.
Et j'ai décidé du coup d'acheter de la permite vermiculite lors d'une petite commande plante. L'avantage de ces plantes, c'est qu'il y a moyen d'acheter ce genre de choses pour très peu cher, avec pas non plus une énorme quantité. Donc là, j'ai acheté de la vermiculite et j'ai acheté de la perlite dont j'avais de toute façon besoin. Et c'était rien du tout, je crois, c'est 3 euros, quelque chose comme ça, le sachet. Je me suis dit, oh, bah, je vais essayer. J'aurais pu mettre de la vermiculite toute seule ou de la perlite toute seule, mais c'est pas grave, j'avais vraiment envie de tester. Et je dois quand même vous dire que ça marche plutôt bien. J'ai testé pour 3-4 plantes là qui ne poussaient pas. Alors j'avais pas avec moi des petits gobelets troués, donc j'ai pris le risque effectivement de le faire dans des petits pots qui sont des pots en verre sans trou. Je fais très attention, j'ai déjà changé une fois l'eau, enfin un petit peu rincé pour éviter qu'il y ait une sorte de pourriture. Je sais pas s'il faut faire comme ça, mais écoutez, je fais à ma sauce un petit peu. Et pour le moment, ça a l'air de fonctionner puisque mon Albo variegata ici m'a fait déjà une nouvelle feuille qui est sortie, donc je suis super contente. L'avantage d'avoir des pots transparents, hein, c'est de pouvoir voir la sortie des racines. Je sais pas honnêtement si la qualité de la perlite et de la vermiculite qui vendent chez Plantes est idéale pour ce type de choses, mais j'ai essayé et ça marche, donc j'imagine que oui, voilà. Et donc je suis super contente. Alors moi, le Albo variegata, je l'ai déjà, hein. Je vous avais dit qu'il avait recommencé à pousser, je l'avais mis dans mon hôpital de plantes aussi et il a recommencé à pousser, il me fait des feuilles toutes blanches, ce qui est pas forcément idéal, hein, pour sa pousse, puisque bah, son vert, elle peut plus difficilement faire sa photosynthèse. Heureusement, il y a du vert ici. Mais voilà, elle pousse super bien. C'est aussi une super satisfaction de ce mois-ci. Mais j'avais récupéré pour faire des poutures et ça marche quand même plutôt bien. Puisque là, elle m'a sorti une nouvelle feuille qui est absolument adorable. Je pense que je vais soit renflouer celle que j'ai déjà, soit l'offrir à quelqu'un qui n'en a pas. Donc voilà pour ça. Toujours concernant la perlite vermiculite, j'ai essayé aussi avec une plante qui est un agleonema. D'ailleurs Laetitia, si tu passes par là, je te fais de gros bisous parce que c'est toi qui m'as offert ce pauvre agleonema que voilà, que j'ai fait souffrir. Il a eu une considérable attaque de trips il y a un an maintenant, enfin genre 2 mois après que je l'ai reçu, c'est vraiment triste. Il a eu une attaque de trips et il a vraiment pas supporté ça. Et j'ai essayé de le sauver en sauvant un petit bulbe et en le mettant en eau, mais je voyais que ça poussait, mais vraiment très très lentement, et j'ai décidé du coup de le mettre en perlite vermiculite. Du coup là je l'ai fait dans les règles de l'art, j'ai acheté un pot transparent, alors un peu grand, j'espère que c'est pas trop trop grand non plus. J'ai mis, comme elle le propose, un tiers d'eau. Et écoutez, il y a une petite feuille là qui pousse et je suis super contente. Et il y a aussi une deuxième, j'ai l'impression, qui pousse et ça va super vite. Alors la première est flasque, elle ressemble à rien, donc vous pouvez pas voir vraiment à quoi ressemble cette plante, mais j'ai tellement hâte qu'elle recommence à pousser. Et quand elle aura vraiment des belles feuilles, je la rempoterai en terre. Mais je suis vraiment heureuse parce que c'est une plante que j'aimais beaucoup et en plus il y a la valeur sentimentale, et j'étais vraiment malheureuse de l'avoir perdue et je suis vraiment heureuse d'avoir d'avoir récupéré un petit bout. Et merci du coup pour cette super astuce, parce qu'en eau effectivement elle ne partait pas. Ensuite, lors d'une vidéo, je crois que c'est la dernière vidéo que vous avez vue sur la chaîne, je vous ai parlé, j'ai ouvert un colis, même 2 colis devant vous, et je vous ai dit que sur Nelumbo Garden, effectivement, quand on achète des plantes, on ne sait pas la taille qu'elles auront, et j'ai eu un énorme choc en découvrant le Raphidophora Hong Kong. Et en fait, il fait partie vraiment de mes favoris parce que je le trouve absolument splendide. Il a fini dans ma chambre, mais il n'est pas mort. Bon, en même temps, ça fait quoi, 1 semaine et demie que je l'ai, mais... ou 2 semaines, mais je le trouve absolument magnifique, je l'admire tout le temps, et peut-être aussi le fait que j'essaie de faire attention, de pas le mettre trop au soleil, parce que c'est ça le problème dans cette pièce, c'est que quand il y a beaucoup de soleil, il fait super super chaud, et c'est un peu le risque, donc je tire un peu la tenture pour lui, et je le trouve absolument splendide. Si vous n'avez pas vu la vidéo, voici cette bête somptueuse. Je le laisse encore un peu pousser avant de faire des boutures, j'aime bien attendre avant de faire des boutures pour... attendre que la plante s'acclimate vraiment bien chez moi. En tout cas, elle a déjà fait donc une nouvelle feuille ici et elle est en train de me faire une toute nouvelle. C'est vraiment une plante, c'est une espèce de monstre, hein, je vous en ai déjà parlé. Elle est très brillante, elle est... J'ai l'impression qu'elle sera très facile d'entretien. Elle me fait aussi une autre pousse là, c'est vraiment superbe. Enfin, j'ai rien à dire pour cette plante, c'est une énorme satisfaction pour ce mois-ci. Vous allez me dire, meuf, mais y a rien qui va pas. J'avais voulu vous montrer mon philodendron mamey, parce qu'il me semble que le mois passé c'était un top parce que je venais de l'acheter ou un truc comme ça, et là j'allais vous dire, bah écoutez, il pousse pas, ça m'énerve, alors il fait une nouvelle feuille mais qui ne sort pas. Et en fait, je l'ai rempoté,
Je l'ai mis dans un pot un petit peu plus grand et je lui ai trouvé un cache-pot qui, je trouve, lui va à merveille. Et j'ai l'impression que sa feuille est en train de sortir un peu plus vite qu'avant. Donc effectivement, c'est logique, hein, quand on rempote, ben, il y a un nouveau terreau, donc forcément, il y a un nouveau... c'est une terre riche, donc qui va forcément faire pousser plus vite la plante. Et effectivement, j'ai l'impression que bah, déjà, en plus, elle est beaucoup plus belle dans ce cache-pot. Elle a enfin son propre cache-pot. Elle est superbe et j'ai l'impression effectivement que cette feuille va sortir. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir à quoi elle va ressembler. Parce que depuis que je l'ai, ben, j'ai un peu peur, hein, et j'ai vraiment envie de voir à quoi elle va ressembler. Je viens de le dire, hein, mais c'est pas grave. Donc voilà pour le Philodendron Mamey qui, je pensais, serait un petit flop ou une petite chieuse du moment. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt bien parti. Le mois passé, j'avais mis une plante dans les bofs. Et cette fois-ci, c'est un énorme top parce que, effectivement, je vous disais, ouais, mais moi, j'y arrive pas avec cette plante, ça pousse pas chez moi. Eh bien, la fois passée, je vous disais que ça allait, ça commençait à aller, même si je savais pas pourquoi. Et là, ben, elle a encore poussé, quoi. C'est mon Pilea pipéromyoides, je ne sais jamais le prononcer. Et depuis la fois passée, en fait, c'est passé d'un bof à un top parce que maintenant, je pense avoir vraiment compris comment il fonctionne. Déjà, il a vraiment besoin de cette lumière qu'il a pour le moment. Je ne le bouge plus de place. Donc, je pense aussi qu'il y a ça qui disait que oui, c'est vrai que je le bougeais de place. Donc, il n'y met pas trop ça. Je pense vraiment trouver au niveau de son arrosage ce qu'il aime bien. Donc, j'ai un peu compris quand ses feuilles commençaient à être molles. C'est qu'il avait soif, mais je devais quand même vérifier le terreau parce que si son terreau était mouillé et qu'il était mou, forcément, fallait pas l'arroser. J'ai vraiment l'impression c'est bon, c'est parti. Donc j'espère que je me porte pas malheur en disant ça, mais je pense maintenant qu'on peut dire que c'est un top pour celui-ci. Je vous assure, cette vidéo s'arrête à un moment ou à un autre. J'avais quand même envie de vous montrer une plante. C'est vrai, je l'avais un peu zappée parce que effectivement, quand les plantes vont pas bien, je les mets pas forcément en évidence. J'ai effectivement fait quelque chose à une plante de très mal. Je pense qu'elle a eu très soif et puis elle a eu trop d'eau, un peu comme l'orbifolia. Elle a également changé de place 3 fois, ce qui est quand même un indice, quoi, parce que c'est la troisième fois que j'ai une plante qui meurt, une plante qui a changé de place plusieurs fois. Et qui a eu une histoire d'arrosage, qui a eu très soif, et puis je lui ai donné trop d'eau. Il s'agit de mon Ficus lyrata. Alors vous allez me dire, Isabelle, franchement, le Ficus lyrata, c'est bon, tout le monde sait s'occuper du Ficus lyrata. Ben non, d'accord. Moi, j'ai récupéré sa tête. Je pense pas que ça va marcher. Si je l'ai mis en perlite de vermiculite, j'arriverai à le dire. Je pense pas que ça va fonctionner, honnêtement. Je pense pas que c'est le type de plante qui fonctionne dans ce type de... Enfin, c'est pas un substrat, mais dans ce type de mélange. Mais bon, je tente. Je vais attendre encore un petit peu. Elle est molle, hein, les feuilles sont molles. La tige est molle, mais pas encore à 100%. Donc je vais encore attendre quelques jours, voire semaines. Et puis je vais lui dire adieu à ce Ficus lyrata parce que... La plante mère aussi, hein, elle est encore là, mais je n'ai pas encore. Je pense pas qu'elle aura survécu. Ouais, voilà, je suis un peu déçue parce que c'est pas une plante que j'aimais particulièrement. C'est peut-être lié aussi, parce que je lui donnais peut-être moins d'amour. Mais j'avais envie de voir ce qu'elle allait donner en poussant, en étant de plus en plus haute. C'est une plante que j'aime bien, par contre, quand elle est très grande. Donc voilà, c'est très rare, hein, les plantes que j'aime quand elles sont très grandes, mais là, ouais, bon. Tant pis, on verra pour le Lyrata. Et le dernier que je vous montre, c'est un qui était également dans la dernière vidéo que vous avez vue. C'est une énorme satisfaction. Je ne pensais pas l'aimer à ce point, en fait. Et je n'arrête pas de le regarder. Je le trouve formidable. C'est l'Épipremnum Cebublu. Je l'ai mis sur tuteur. Je l'ai mis sur tuteur et je le trouve formidable. Alors, j'ai compris ce qui s'était passé. En fait, il a, je sais pas si c'est dans le colis ou avant qu'il me l'envoie, je ne sais pas, mais en fait, il y a une branche qui est cassée à sa base. Elle est cassée, mais pas totalement arrachée, donc j'ai l'impression qu'elle est encore viable parce qu'effectivement, toutes les feuilles qui sont sur la branche bah, vont et il y a une nouvelle. Alors, celle-là, bon, je ne sais pas si elle va s'ouvrir un jour,
Mais ouais, j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec cette branche-là. Mais au pire, s'il y a un souci, je la bouturerai, je la couperai. De toute façon, j'ai prévu de la bouturer, mais j'ai encore un peu à attendre qu'elle se plaise vraiment bien chez moi. Et l'autre tige va super bien puisqu'elle a une nouvelle feuille. Et je pense que effectivement, ces feuilles seront un petit peu plus petites parce que je l'ai mise quand même assez loin de la lumière. Même si elle a la lampe horticole assez régulièrement hein, dans la journée, c'est vrai que elle n'a pas non plus une lumière de fou, quoi. Mais j'en suis vraiment dingue. Et ça, c'était vraiment la folie de cette commande Lenovo Garden, hein, puisque je l'avais payée très très peu cher. C'était 9 euros, 11 euros. C'est une plante qui coûte cher hein, au départ. Et je savais pas. Je pensais que j'allais avoir deux feuilles. Je pensais pas que j'allais recevoir une plante aussi immense. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'en fait c'est comme ça avec Lenovo Garden, mais que parfois on peut avoir aussi la surprise inverse. Donc payer assez cher une plante et se rendre compte qu'elle est minuscule. Moi j'ai eu l'inverse et j'ai un peu stressé en ouvrant mon colis. Je me suis dit, mais que vais-je faire de tout ça? Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Alors il y a encore des satisfactions, des trucs comme ça, mais c'est pas grave, je vous les montrerai dans les prochains vlogs, les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est donc la vidéo des 1 mois de cette chaîne, donc je suis trop contente. J'espère de tout cœur que ce type de vidéo vous plaît. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder sur les autres chaînes, donc je pense que je vais continuer à les faire au fur et à mesure des mois. Et merci de tout cœur pour votre soutien. N'oubliez pas, j'ai ouvert un compte TikTok consacré à cette chaîne. Alors je rigole parce que je pensais jamais faire un truc pareil, mais c'est fait et je m'amuse bien parce que du coup je fais des petits plans de mes plantes. Je vous présente les plantes avec les nouvelles feuilles, les plantes quand elles ont été brumisées, les plantes avec la lumière du matin, enfin voilà, sous toutes sortes d'angles. Pour les plantes addicts, je pense que ça vous plaira ou pas, je ne sais pas. Enfin voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!